Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Nils et on se retrouve pour un nouvel épisode des contributions à NetBSD et Package Source. Et ça démarre très très fort. Ça me permet de voir que les notifications refonctionnent. Donc, dans l'ordre, on va commencer par saluer Chavenet. Saluer Little Black, salut les gars, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais remercier très fort Xavier G qui s'est sub, qui a converti depuis un sub de Amazon Prime en Tier 1. Merci beaucoup Xavier pour ton soutien, toujours là, toujours présent. Et merci aussi à Chaos qui fait, j'ai envie de dire, c'est presque une tradition, mais c'est en tout cas régulier. Chaos Farboti qui nous raide avec 21 personnes. Merci à tous, venez, on démarre à peine, donc c'est assez cool, comme ça vous avez rien loupé, vous allez pouvoir profiter de ce stream en entier. Et je vais d'ailleurs, pour les quelques personnes qui étaient là avant le raid, on va en profiter pour faire un petit shootout justement à l'ami Chaos. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez lui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Chaos? Racontez-moi. Comme ça, pendant ce temps, en plus, j'ai une petite mise à jour qui tourne. Et ça va permettre de faire passer la mise à jour tranquillou. Et la bonne nouvelle, c'est que la mise à jour, maintenant, elle est rapide. Elle est rapide et elle fonctionne. Bon. Vous jouiez? Vous étiez en train de faire un CTF? Qu'est-ce que c'était? Bon, a priori chez Chaos. Ou alors c'est le chat qui marche plus? Bon, c'est pas grave. On va continuer de notre côté, hein, les aventures BSD-esques. Ouais, test. Ouais, ça fonctionne. Bon. A priori, vous m'entendez. Sinon, vous m'auriez dit il n'y a pas de son. Bref. Alors. On se retrouve pour un nouvel épisode donc de contribution à NetBSD et Package Source. Le principe de ces lives, en fait, c'est que... J'essaye de me remettre à contribuer au projet NetBSD, qui est un projet de système d'exploitation sous licence BSD. Donc c'est un Unix de type BSD. C'est un projet que j'apprécie beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à contribuer et à devenir, même si je mets des gros guillemets, développeur NetBSD. Mon champ d'application sur mes contributions, en fait, c'est le packaging. Et le système de package pour NetBSD s'appelle tout simplement Package Source. Et on l'écrit PKGSRC. On avait pas mal bataillé parce que j'avais voulu au début... je me suis donc réinstallé des machines de test, des machines virtuelles de test NetBSD. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu des blagues. La première, c'est que je me suis rendu compte que vouloir mettre les sources de package source sur un partage NFS extérieur à ma machine de stream était un peu lent. Surtout qu'en plus, ce sont des disques rotatifs. Même si c'est du RAID 6, ce sont quand même des disques rotatifs, donc c'était un petit peu long. Et il s'est trouvé que, en plus de ça, j'avais une petite blague, puisque le projet NetBSD, en particulier Package Source, utilise toujours le système de gestion de version CVS, qui n'est pas tout jeune certes, mais qui fonctionne encore aujourd'hui. Et en plus, donc le CVS avec l'OTANT via clé SSH n'avait pas l'air de fonctionner sur ma machine de test, enfin de dev, on va dire. Et donc, j'ai jeté un œil hier et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une question d'agent SSH qui n'était pas lancé parce que mon identité SSH n'est pas... Enfin, l'ID de la clé, enfin pas l'ID, mais le nom de la clé est pas un ID underscore RSA ou des machins, les classiques, j'ai l'impression.
et donc le truc ne se chargeait pas de façon automatisée. Et en fait, en relançant les commandes à la main, et ensuite je fais mon petit CVS update et je suis authentifié. Si je fais un SSH, je crois, add-l, j'ai bien ma clé qui est bien chargée dans l'agent SSH. Donc ça, de ce côté-là, maintenant, c'est peinard. Bien le bonsoir à toi aussi, El Longo de la Vegas. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que toutes et tous, vous avez passé un bon week-end. Donc ça, c'était un peu le souci clé qui faisait que nos lives étaient un peu, comment dire, ça avançait pas énormément. Et puis on a découvert aussi un autre truc la semaine dernière, puisque j'ai passé une bonne partie du live à regarder des choses par rapport à Nginx. On s'est amusé sur le package Nginx. Puisque Nginx maintenant est capable d'avoir des modules dynamiques, et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques petits soucis dans les noms des fichiers. Voilà un peu le résumé des dernières aventures. Moi, ce que je vous propose, parce que c'est un truc que j'espérais faire aussi la semaine dernière, c'était revenir sur Logrotate. On va aller voir si Logrotate est à jour, et le cas échéant, on va proposer la mise à jour. Donc là, je suis bien sur une machine NetBSD. Voilà. Et j'en ai profité pour faire un petit truc. On le voit ici. Je me suis permis d'un peu gonfler la VM de dev. Je suis passé de 2 à 4 vCPU et je suis passé de 2 à 4 Go de RAM. J'ose espérer que ça aidera aussi à compiler plus vite. On verra ce que ça donne. Donc, sysutils logrotate. Hop, est-ce que quelqu'un a poussé une mise à jour pendant que j'étais pas là Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par regarder le distinfo. Le distinfo, il dit logrotate 3.18. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on était allé jeter un œil à logrotate et on a vu que c'était la 3.21. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir aller dans le makefile. Et on va commencer par dire, et ben maintenant, on veut une 3.21. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que sur github.com, voilà, on va aller chercher logrotate. J'espère qu'il n'y a pas une nouvelle release qui est sortie. Hop. Non, 3.21, donc ça va. Allez, c'est parti. Ensuite, make dist... Ah, il y a un truc que je voudrais faire, tenez. J'en profite, il y a un truc que je voudrais faire et qui, je pense, va aussi aider à compiler... dans notre cas de figure, maintenant, ça ne va plus aider vu que j'ai bien mon répertoire de package source qui est en local. Mais ça aurait peut-être pu aider. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, j'étais allé commencer à taper dans un fichier qui s'appelle /etc/mk.conf. Et ce fichier /etc/mk.conf, il permet quoi? Bah, comme on le voit déjà sur ce fichier, il me permet de rajouter des options. Donc quand je crée mes packages, quand je compile mes packages plutôt, eh ben, je peux décider d'activer ou de désactiver certaines options. Donc là, dans notre cas de figure, les modules dynamiques n'étaient pas activés par défaut, Naxi n'était pas activé par défaut et GeoIP2 n'était pas activé par défaut. Et donc je m'étais dit, tiens, je les ajoute. Un autre truc que je voudrais rajouter dans tout ça, ça va être un certain nombre d'options qui vont me permettre de plus facilement faire du développement. Alors, pour me faciliter la vie, la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer le propriétaire de ce fichier, qui permet de modifier bon nombre d'options de compilation et de création de paquets. Oups là, voilà. Et ce que je veux faire, la première chose que je veux faire, c'est que je vais commencer par lui dire, on va activer un truc qui est une option qui s'appelle PKG Developer, qui va me permettre de rajouter un certain nombre de checks. Un autre truc que je vais faire,
C'est que j'avais voulu essayer de faire joujou directement sur la ligne de commande, sur le nombre de job make à lancer, pour pouvoir faire plus de job make de compilation en parallèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant, dès maintenant, les ajouter ici directement dans le fichier mk.conf. Et de cette façon, j'aurai pas besoin de m'embêter à le remettre. Donc la machine, elle a 4 vCPU, donc je vais mettre 6 job make. C'est-à-dire grosso modo le nombre de cœurs plus 2. Un autre truc que je vais rajouter, une autre option que je vais rajouter. Si tu veux faire joujou, j'ai des Lego si tu veux. Bonsoir à vous. Salut à toi Nebed, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Un autre truc que je vais faire aussi pour aller, entre guillemets, pour aller plus vite, même s'il y a des chances que ça ne se fasse pas souvent, c'est que, et on va l'installer d'ailleurs, tiens, tout de suite, dans le cadre de compilation, en tout cas, de compilation C. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être faire un moins F fugue. Comme ça, on va voir si j'ai des mises à jour à faire. On va installer un truc qui va donner un peu qui va donner un peu d'aide à notre compilateur. Alors notre compilateur c'est GCC hein, pour l'anecdote. Voilà, on utilise GCC. Alors je sais plus si j'ai c'est CLang, hein, je crois qu'on met. Bon, il n'est pas installé ici par défaut, mais je pense que je pourrais l'installer si je voulais. Je pourrais décider d'utiliser CLang comme compilateur. C'est pas le cas aujourd'hui. Dans l'immédiat, on reste en mode GCC. Ça reste aujourd'hui le compilateur par défaut sous NetBSD. Sachez qu'il est possible de compiler NetBSD avec ces langues. Donc, le truc que je veux rajouter, et ben, ça s'appelle Ccache. Zut, pkg info, moins, je crois que c'est moins grand L, hein, Ccache. Ok, mais j'aurais aimé qu'il me. Tac, voilà. Donc, grosso modo, bah voilà, c'est un cache de compilation, c'est cache, et ça permet de, dans le cas des compilateurs C++, de rajouter un peu de vitesse. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, un autre truc qu'on va faire, qu'on va se rajouter. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter d'intéressant? Si, des trucs qu'on va se rajouter d'intéressants et qui peuvent nous aider. Vous avez remarqué un truc, je pense. Tiens, on va revenir dans. On va revenir en 3W. C'était quoi, Nginx Devel que j'avais regardé? Ou Nginx tout court? Nginx tout court. Alors, comment je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte pour un truc très con, c'est qu'il y a un répertoire work. Et vous vous rappelez que, justement, quand j'essayais de faire juste de la compilation. Sans tout de suite empaqueter le truc, j'avais un répertoire work avec les sources de mon projet. Et là, normalement, j'ai encore un truc qui traîne. Hein. Si je fais un petit find work nginx, moins type f, moins name nginx, voilà, il est là. Je peux faire un petit point slash tac, moins version. Et là, moins v peut-être. Voilà, et on a la version de nginx. Parce que l'option moins v de nginx permet de donner la version. Donc là, j'ai un binaire qui traîne, mais au final, la partie qui va être committée, quand je vais vouloir proposer mes versions au projet, entre guillemets, enfin pas proposer, mais contribuer mes modifs au projet, ce répertoire work, faut pas qu'on le commit. Ça sert à rien. Je vais pas les balancer des binaires. En plus, ça va être des binaires pour une plateforme spécifique, c'est-à-dire NetBSD 10 pour x86-64. Et aujourd'hui, le projet prend en charge si on va sur netbsd.org ou pkgsrc.org, tiens aussi. Hop. Je sais pas s'ils indiquent le nombre de plateformes. Mais je crois qu'il y a genre une vingtaine de plateformes qui sont prises en charge, que ce soit NetBSD pour différentes architectures matérielles. Là, vous voyez AMD 64, différentes versions d'armes, i386, donc le bon vieux 32 bits, divers trucs MIPS, dont notamment le Lumson, les bons vieux Spark,
Il y a du Power PC, il y a du Spark, la console de jeu Dreamcast. Si vous êtes allé voir une fois ou deux l'ami Fixoulab, tiens, on va faire un petit shootout à Fixoulab. D'ailleurs, je vous invite à aller poser vos follow chez lui, qui avait réussi à lancer NetBSD justement sur une Dreamcast, ce qui était assez classe, je trouve. Bref, toujours est-il que voilà, on a un bon nombre de plateformes matérielles et logicielles aussi, parce que PackageSource fonctionne sous d'autres OS que NetBSD. Et donc, bah, juste balancer le binaire comme ça directement dans le CVS, bah, pas très futé, hein. Donc, ce répertoire work, à cet endroit-là, qui est l'endroit par défaut, moi, ça m'embête. C'est pas propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir le coller ailleurs. Et donc, y a un moyen pour ça. Et tout simplement, il y a une option qui s'appelle WorkObjDir. WorkObjDir égale, et je vais aller me le mettre dans slash home, slash nils, slash TMP. Et normalement, je dois avoir un répertoire TMP. Ouais. Qui doit être d'ailleurs. Ok. Alors. Là, vous vous demandez un peu où est-ce que je sors ces options. Je les sors pas d'un chapeau. Ça pourrait être un bon délire de faire tourner mon Athlon 700 sous NetBSD. Mais il tournera sans problème. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être même moyen que tu aies un environnement graphique. Alors, ça risque d'être un peu rustique, ça risque d'être un peu, comment dire, bah, ce sera léger. Faudra pas t'attendre à ce que tu aies un joli Gnome 3, enfin pas Gnome 3, mais un Gnome 44 avec tous les. Alors ce qu'ils disent en anglais, c'est Bells and Whistles. Il y a une GeForce 2 Ti. Je te garantis rien sur l'accélération 3D matérielle. Je ne te garantis absolument rien. Je crois que NetBSD a un backport de nouveau, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. XFCE, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir du XFCE sous NetBSD. Oui, carrément. Donc ces options-là, alors on avait jeté un œil, hein, j'étais déjà allé jeter un œil dans. Alors si je vais dans Project CVS NetBSD et que je vais dans Package Source et que je vais dans MK, en fait, ce répertoire MK contient pas mal d'informations et on a notamment. On a le. Oh. Non, c'est. Ah, flûte, c'est lequel? C'est lequel qui. Alors, il y a le BSD. Point. Alors, de toute façon, on va faire simple, hein. Grep-i. Grep, non, pas grep.i. Grep-work-obj-dir dans étoile. Grep.zer? Celui-là, il est peut-être pas ici, mais je crois qu'il doit être documenté quelque part. Hein. Ah, mais c'est pas work, c'est WRK. J'ai mon anti-sèche à côté. Et hop, je me suis trompé. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est le truc de bootstrap. Change. Auto-pbulk. Bon, ça, c'est autre chose. Dog guide files, non. Doc pkgsrc.txt, voilà. Bon, il y a ça. Et le bsd. Non, ça c'est if defined. Mais voilà, de toute façon, voilà, y a des fichiers de documentation. Voilà, le pkgsrc.txt. Hop. Mais non, txt. Qui va ensuite raconter pas mal de choses. Oh, bon, c'est la documentation qu'on trouve sur le site. Donc voilà, c'est documenté malgré tout. Ce que je vais vouloir rajouter aussi, c'est que il y a un endroit, un répertoire qui s'appelle Packages, et là vous voyez qu'il y a sans doute des choses dedans d'ailleurs. Voilà. Vous vous rappelez de Nginx, de la lib MaxMineDB que j'avais dû compiler aussi. En gros, quand on crée des packages, quand on compile des packages, par défaut, ils vont dans le répertoire Packages de PackageSource. Encore une fois, ce coin-là, c'est pareil, c'est dans le répertoire CVS. J'ai pas envie de prendre le risque de committer ce genre de choses par accident.
Donc je vais aller mettre mes packages ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Project. J'avais un répertoire net BSD dans lequel j'avais un package source. Normalement, si je fais un RM-RF de ce truc-là, il va être long. Donc on va pas s'embêter la vie. Je vais faire un mkdir packages ici, en fait. Et donc, je vais rebalancer une option pour lui dire, au fait, les packages, quand tu crées les archives, tu les mets ici. Tout simplement. Donc, c'est parti. L'option s'appelle tout simplement packages. Voilà. Sashoom, Nils, on a dit project netbsd, project netbsd packages. Voilà, voilà. Donc déjà, avec ça, on devrait être un peu mieux. Et après, on pourra rajouter, si on crée, selon les paquets qu'on crée, on pourra rajouter diverses options. Par exemple, je sais pas moi, la version, puisqu'il y a plusieurs versions qui sont disponibles, par exemple, de PHP, et on pourra dire quelle version par défaut on veut. Si on veut overrider, si on veut passer outre la version par défaut qui est indiquée. Donc déjà, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est retourner dans sysutils log rotate. Et on va commencer par faire un make, juste un make. Donc normalement, avec le make, donc là, on n'a pas. Si on a un work, tiens, allez, rm-rf work, et on va faire un make. Et là, il me dit, ah bah oui, oui forcément, make distinfo d'abord. Puisqu'on a modifié la version. Hop. Et maintenant, on va le compiler. On sait déjà normalement que ça devrait bien se passer. Ah, tiens, il me réclame le mot de passe. Ah, on a un patch file qui est cassé. Ah, on l'avait corrigé peut-être dans la version Git. Alors moi déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il me réclame le mot de passe route. Salut à toi Alain B. J'espère que t'as passé un bon week-end. Déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il m'a demandé un mot de passe route. Je pense que c'est parce qu'il était en train de mettre une dépendance. Digest, ok. Il a ramené la mise à jour de Digest. Soit. Pourtant, j'ai un all, no pass WD all. Ah ouais, mais je crois qu'il y a une option pour ça. Bon, je vais pas la chercher. Donc on a quand même notre blague à base de... Donc on va aller... Hop, on va aller dans whip. Log rotate. Tiret git. Tiens d'ailleurs, il y a eu des mises à jour là-dessus ou pas? À la grille. Alors, a priori... Ah, zut. A priori, je suis le dernier à avoir commité dessus. Hein. Le gros take guy, vite. Ok. Alors. Avant de commit, faut tester pour toutes les plateformes. Non. Non. Si je devais avoir toutes les plateformes, on s'en sortirait pas. Généralement, il faut au moins tester sous NetBSD. Au moins sous la version stable actuelle ou NetBSD Current. Ou éventuellement s'il y a une bêta en cours, bah là comme là on est sous NetBSD 10 bêta RC, bon, c'est pas un problème. Mais c'est aussi pour ça que j'ai installé une machine de test en NetBSD 9.3. J'aurais pu rajouter des i386 plutôt que des AMD64, mais globalement...
Sur un logiciel comme Logrotate, ça va, je suis pas inquiet. Ce serait, selon les, comment dire, ce serait sans doute plus intéressant d'avoir plus de plateformes si, par exemple, je sais pas moi, je cherchais à packager ou à faire des mises à jour du package de, je sais pas moi, QEMU par exemple. Parce qu'il y a des chances qu'il y ait pas mal de patchs qui soient dépendants du système d'exploitation. Alors, donc a priori, ça on est bon. Donc a priori, c'était lequel qui s'est cassé? C'est le logrotate, l'example logrotate.conf. Cat patches patch examples logrotate.conf, on a dit. Ok. Tiens, c'est le même. Ouais, c'est le même. C'est chelou ça, parce que si je vais ici, que je fais un make clean, et que je fais un make, il passe ou il passe pas? Il a l'air de passer. Il fait un checking. Il passe. Ah oui, c'est à cause de tout ça en fait, les autoriconf, autoconf, automake. Ouais, c'est ça. Hop. Ah mais non, normalement il n'avait pas besoin. Je crois qu'il n'y en avait plus besoin, ça. Work on state file, default main command, compress command, non. Ça on est bon, varbase on est bon, EG, ça c'est les exemples, ok. Hop, les conf files, j'ai pas eu à y retoucher a priori. Logrotate.service, le dirs, ok, le EG installation dir. Préconfigure autoriconf. Ouais, mais ça c'est on avait besoin de le faire quand. Est-ce que alors? Qu'est-ce qu'il nous dit? Point slash configure make. Make check, make install et make clean. Ok. Donc ça c'est non, ça c'est la version. Si je me rappelle bien, sur la page de sur le README, il nous disait verify unpack, ok, compiling, autoconf is optional if you obtain a source from tarball. D'accord que si je retourne ici, est-ce que j'ai un configure? Oui, j'ai un configure. Point slash configure, ouais, j'ai un point slash configure. Donc, si je reviens ici, attends, je vais d'abord m'enlever de là parce que je vais me retrouver ensuite dans un répertoire qui n'existe plus. Que je fais un make clean. Si je fais un make clean, normalement là, j'ai plus rien. Ouais, je suis même plus dans PMP. Il m'a même dégagé 6 utiles. Non, il m'a pas dégagé 6 utiles. Ça va. Ensuite,
Alors, pourquoi est-ce qu'il en voudrait pas? Fetch. Donc ça, il l'a déjà récupéré. Make. Je crois que c'est extract. Oui, tiens, alors pour éviter ces warnings à la con, je vais faire ça tout de suite. Je voudrais juste m'assurer, est-ce que j'ai la pkgdb qui est là? Ouais, la pkgdb, elle est là. Ok. Donc ça, je pense qu'il va falloir que je le fasse en tant que admin. Voilà. Comme ça, j'aurais plus le warning déjà. Si je refais un make clean et un make extract, normalement, je devrais plus avoir le truc. En gros, alors, petit aparté donc. En fait, on peut. Enfin, il y a une gestion entre guillemets des vulnérabilités. Parce qu'on peut très bien dire à Packet Source de ne pas installer des paquets qui ont des vulnérabilités. Donc on récupère les vulnérabilités et on saura que par exemple, il y a des chances que par défaut je me retrouve avec des paquets où ils vont me dire non, non, tu l'installes pas, il est vulnérable. Et on verra comment outrepasser le truc. Hop, donc là j'ai mis à jour la, entre guillemets, la DB locale des vulnérabilités connues. Et il a voulu. Ça, on s'en fiche. Ça, c'est où? Oh, bah, ça, c'est là. Ok, ça, c'était le git. Donc, log rotate work. Et donc, c'est quel fichier? C'est le logrotate.conf dans les exemples. Gbat? Ouais, gbat. Et il voulait modifier ça à quelle ligne? Je vais regarder mon patch. Ligne 15, il est censé avoir un compresse. On l'avait vu la dernière fois, ça, non? Mais pourtant, je pensais que j'avais. Ouais, ma ligne 15 date ext. Ah, c'est parce qu'il y avait eu une. Il y avait eu une. Je crois qu'il y avait une typo qui avait été. Qui avait été. Qui avait été corrigée, non? Il n'y avait pas eu ça, la blague. Une typo qui avait été corrigée, je crois. Salut à toi, PDPmaker. Est-ce que je construis un package de gestionnaire de log? En fait, j'essaye de construire, j'essaye de faire une mise à jour du package LogRotate, qui est effectivement un gestionnaire de log. LogRotate, qui est un projet connu, que LogRotate, on l'a sur toutes les distributions Linux aujourd'hui. Hein. Mais sous NetBSD, c'est moi qui maintiens le package LogRotate, en fait. Donc j'essaye de m'assurer qu'il fonctionne toujours et qu'il est à jour. Et merci beaucoup pour ton follow, LAN PC Master. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, puisque PDP Maker est là, on va faire un petit shootout. Hop. Voilà. Je pense que c'est assez explicite sur le genre de choses que fait PDP Maker sur sa chaîne Twitch. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir. Et comment j'avais fait? Patches, patch, examples, logrotate.conf. Et je vais aller faire point point slash slash sysutils logrotate. Update, patches, patch, examples, logrotate.conf. Nya, voilà, ok, c'est ça.
C'est ça, j'avais juste fait le truc à l'arrache, ce qui était quand même assez moche. J'avais carrément modifié le fichier de patch. Idéalement, il faudrait qu'on le refasse. On va essayer d'être propre aujourd'hui, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait du package source. De fait, je risque d'être un peu rouillé sur la manière dont on patch. Alors, en gros, l'idée, ça va être dans le fichier d'exemple de remplacer le slash etc slash logrotate.d par une variable qui s'appelle pkg si ce qu'on veut dire slash logrotate.d. Alors pourquoi? Parce que par défaut, les packages NetBSD, en fait, ils ne s'installent pas entre guillemets à la racine du système. Si on a une distrib Linux, bah, de toute façon, je suis sur une distrib Linux ici. Si je regarde où est mon logrotate, hein, je vais dans etc logrotate.conf, enfin j'ai un slash etc slash logrotate.conf. Si je regarde USR local, bon, normalement je ne devrais pas avoir grand chose. Voilà, j'ai rien. Normalement, SBIN non plus, je ne devrais pas avoir grand chose. Généralement, la convention sous Linux veut que les trucs locaux, on les met là, et les logiciels optionnels on va dire, de certains éditeurs, notamment de logiciels proprio, viennent se mettre dans slash opt. Sous les systèmes BSD, on a le système de base et donc tout ce qui va dans slash usrbin ou dans slash bin par exemple, eh ben, tout ça appartient au système de base. Donc les packages n'ont pas à aller dans le système de base, parce qu'ils ne sont pas créés par les gens du projet, que ce soit FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonflyBSD. Généralement, la convention est observée par ces systèmes-là. Côté FreeBSD, j'imagine qu'il doit peut-être y avoir parmi vous des gens qui utilisent ou qui ont déjà utilisé FreeBSD. La convention, c'est plutôt justement USR local. Les packages vont dans slash usr slash local. Et donc, si on installe Logrotite sous FreeBSD, son fichier de configuration principal, logrotite.conf, lui, il va aller dans slash usr slash local slash etc slash logrotite.conf. Enfin, ça va être logrotite.conf dans ce répertoire-là. Sous NetBSD, la convention par défaut, c'est slash usr slash pkg. À noter que cette convention peut varier selon le système d'exploitation. Je vous dis bien souvent que package source est portable et qu'on peut l'utiliser sous d'autres OS. Et je cite souvent en exemple macOS. Et ben macOS, jusqu'à il y a quelques versions, package source avait encore par défaut le chemin slash usr slash pkg. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que les développeurs de chez Apple, les développeurs de macOS chez Apple, ils se sont mis à vouloir faire une modification au niveau du système d'exploitation, qui est en quelque sorte de protéger, enfin de protéger le système de base, et donc de restreindre l'accès en écriture dans slash usr. Ce qui en soi n'est pas déconnant parce que sur un système Linux ou Unix, quand on regarde slash usr, on a quand même bin, on a des lib. Alors je sais qu'avec le usr merge, tout ça, ça change un peu, mais on a quand même pas mal de choses, hein. On a des bibliothèques, on a des fichiers partagés, on a des binaires parfois importants. SBIN, c'est quand même des binaires d'administration qui nécessitent les droits à root. Eh ben, c'est un peu ennuyeux quand on est un projet open source qui veut aller écrire dans slash usr pkg. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour macOS, si vous bootstrapez package source, et que ce soit en version binaire ou en version source, vos packages vont se retrouver dans slash opt slash pkg. Voilà pour l'explication. Qu'en gros, bah là, on a un pkg si ce qu'on veut dire. Comme ça, en fait, selon le système d'exploitation, selon la convention, parce que rien ne m'empêche, moi, de rebootstrapper package source à la main sur mon système NetBSD et de décider que je fais aussi slash opt slash pkg. Je le fais pas, mais dans l'absolu, grâce à cette variable, je peux le faire. Et de fait, j'aurais mon répertoire logrotate.d, qui est donc un répertoire pour aller
pour poser mes fichiers de configuration supplémentaires, et ben ce répertoire-là, il serait ailleurs. Et donc, il faut bien que le logrotate.conf d'origine, lui, il aille pointer et dise « Au fait, je m'attends à trouver d'autres fichiers de conf à cet endroit-là. » Chavenet qui nous parle du FHS, effectivement la File System Hierarchy Standard, tout le monde ne la respecte pas forcément, mais c'est effectivement un bon point de départ. Je sais pas si beaucoup ont connu justement l'époque où la FHS avait été un peu mise en avant, notamment puisqu'il fut une époque où moi par exemple tous mes disques supplémentaires je les montais directement dans /MNT. Et en fait, je crois que ça ne respectait pas ce genre de standard et que la convention veut qu'on les mette plutôt dans /media, par exemple. Après, en l'occurrence, aujourd'hui, avec des gestionnaires d'environnement de bureau, je pense à Gnome, si je branche une clé USB là, elle va pas se mettre dans /media. Elle va être dans /run/quelque chose. Mais de toute façon, c'est parce que c'est un média qui a vocation à ne pas être attaché en permanence. C'est la base quand tu débutes sous Unix. Tout à fait. Je sais plus si certains savent, je le répète, j'ai donné un cours pendant quelques années justement des bases de Linux, et je cite généralement la FHS pour dire, au fait, quand vous cherchez des choses, bah, par convention, les fichiers de configuration sont dans /etc, les binaires sont dans /bin... Ah bah oui, totalement, totalement. Le concept, la manière de faire ça est complètement différente entre effectivement les Unix et les environnements Windows. Salut à toi, Trotty Rider Marx. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Donc effectivement, il va falloir que je modifie mon patch, et je voulais faire le patch. Merci pour le follow. Que je fasse le patch proprement. Ce que je vais faire, c'est que je vais me copier ça quelque part. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire un petit ARM de ce truc-là. Comment ça, no solution? Je suis de même en 6 utils. Examples.conf. Ah, j'ai écrit log rate. Ok. Tout va bien. Je suis bien réveillé, promis. Ensuite, dans le distinfo, je vais faire sauter le SHA-1 du patch. Et donc, si je fais un make clean et que je refais un make... Ah, oui. Bon, il se plante à cause de ça, mais ça, à la limite, je vais pas le retirer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un PKG VI. Il n'est pas installé? Ah, fiche. Hop là. Est-ce que j'aurais pas d'autres outils à installer? En fait, faut que j'aille installer un outil qui s'appelle, enfin un package qui s'appelle pkg_developer. Hop, voilà, meta package for package source package development. Allons-y. Non mais in. Installe-le. Alors, il va m'installer quoi? Parfait. Le URL tout PKG, c'est assez sympa aussi. PKG Lint aussi d'ailleurs. On ne l'a pas encore utilisé. Et idéalement, il faudrait que je le fasse à chaque fois. Ça va être l'occasion justement de revenir dessus. Donc maintenant, allons-y. PKG VI.
et on va aller chercher, j'avais dit TMP, sysutils, logrotate, work, logrotate, et donc on va aller dans examples, et on veut le logrotate.conf, voilà, et on va remplacer ici le slash etc, voilà, par notre variable, et on le met en, comme ça, non, pas ici. Alors on va le faire à la main. PKG underscore 6 conf dir par base. Et normalement, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Le fichier a été modifié. Pour un diff, on peut lancer cette commande-là. On va le faire. Hop, PKG diff. Et donc, j'ai bien la même, la modif de la, à peu près la même modif de tout à l'heure, sauf qu'on n'a plus le truc ici. Ensuite. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire mk patches de mémoire. Et ensuite, on fait make patch sum, si je me rappelle bien. Voilà. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est regarder mon répertoire patches. Et là, on revoit un fichier logrotate.conf. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les étoiles.orig. Parce qu'ils n'ont rien à faire ici. Voilà. Et ensuite, on se fait un cat du distinfo. Et là, on peut retrouver notre SHA-1 pour le nouveau patch. Et si je jette un œil à mon patch, examples logrotate.conf, on peut voir que maintenant, il est bien en date. On est le. Ah oui, ça c'est le orig, le fichier de conf. Il date quand Il a l'air différent du point cron, c'est marrant. Je pensais que. Ah, c'est que j'ai pas mis un. Fichtrin. Ce que je vais peut-être faire dans ce cas-là, c'est que je vais revenir sur. Ah, j'aurais peut-être pas dû le supprimer, en fait. J'aurais pas dû le supprimer. Donc, si je recommence, -v, on va dire patch example.conf, tac, vi distinfo, tu dégages. À la limite, ce que je vais faire, c'est que je refais un CVS update, tiens, d'ici. Il y a peut-être moins réclamé le mot de passe de la clé. Non. Allez, makefile. On va te remettre. Ah non, ça c'est bon. Donc il m'a remis le. Si je refais un make clean. Ah, il va chouiner à cause du distinfo, je pense. Ok. Allez, on va faire un make clean, on va faire un make, donc il va se planter, puisque, voilà. Et si je refais mon pkg vi, voilà. Et que je refais ça. Voilà. Ensuite, backup already exist, ouais. Donc pkg diff. Ok. Ok, là ça a l'air bon. Ok, très bien. Allez, on va faire un petit make clean. Et make package. Et là, normalement, ça fait patch au capic.
Si, il fait des chocs à pic. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de changé dans examples.loggrottaille.cron. Examples.loggrottaille.cron. On avait le viré le loggrottaille. Bah non, on l'avait pas viré. CVS. Alors, update patches patch examples loggrottaille.cron. Enfin, plutôt un checkout parce que l'update n'a pas l'air de. Hop. Non, c'est le con qui m'intéresse. En fait, il a été écrasé. Il a été écrasé. Voilà. Et là, on a un at préfixe. Donc là, c'est mieux. Et on a un at décalé, c'est ce qu'on veut dire. Voilà, et là on est bon. Ensuite, hop là. Ok, on a réussi. On a réussi à faire notre mise à jour. Donc là, globalement, on est pas mal. Là, globalement, on a un truc qui est à peu près propre. Qu'est-ce qu'on a comme différence avec l'existant? Je pense que je vais refaire avec un pipeless. Donc, on a mis à jour le numéro de version, on est passé à loggrottaille 3.21. On a les SHA-1, les SHA-512 qui changent, enfin les sommes de contrôle de façon générale qui changent. Jusque-là, pas de souci. Et on peut vérifier, on a la taille qui change forcément de l'archive principale. On a les sommes de contrôle Blake 2 et SHA-512 de cette archive principale qui change forcément, c'est plus la même archive. Et on a juste le SHA-1 de notre patch sur les exemples qui change. Normal. Celui-ci de tout à l'heure, on avait eu un petit souci parce que le MK Patches était allé un peu sans forcément prendre en compte l'existant. On peut voir que là, par contre, il n'a pas changé. Donc le patch n'a pas été modifié. Et ça tombe bien parce qu'il n'y avait pas besoin. De fait, on a notre patch qui change. Avec notre juste, voilà, notre petite faute de frappe qui a été retirée. Enfin, pas notre, mais celle du projet. Donc à partir de là, on va pouvoir passer sur la phase de test, je tentais de dire, idéalement. On a vu avec la version guide que globalement ça fonctionnait pas mal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite committer mes modifs pour une raison très simple, c'est que d'ici à ce qu'on ait une nouvelle version une nouvelle release de package source, s'il y a des problèmes, je vais m'en rendre compte. Et de toute façon, je vais aller me mettre le package sans doute quelque part, hors stream, je ferai ça hors stream. J'irai me compiler un log rotate et je le mettrai sur une machine où je sais que ça y a de la rotation.
Et si jamais il y a un souci, je le verrai bien. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un petit. Alors, j'ai une anti-sèche aussi pour ça. Alors, on va ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on a de modifié? On a celui-ci et on a le patch. Le grandaille.conf. Alors, vous allez voir que CVS est peut-être un peu rustique par rapport à Git, hein, mais ça se fait. Ça se fait. Ensuite. Locally modified. Ok. Donc on va pouvoir faire un petit. Je crois que je peux faire un CVS log. Hein. Que bien entendu, on va avoir un message de commit et j'aimerais bien. Bon, bah voilà, ça a le mérite d'être clair. Et on a en plus, il va falloir aller rajouter les upstream changes. Salut à toi, sac à poil! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Donc, on va aller jeter un œil sur le site de LogRotate. Hop! On va prendre la dernière release. On a 3.21, mais on a d'autres releases qui sont sorties entre-temps. Et en fait, l'idée, c'est que quand on fait comme ça des mises à jour dans Package Source, eh ben, il va falloir rajouter, entre guillemets, bah, les modifications apportées par ce logiciel. Donc on était en 3.18.0, eh ben, il va falloir que j'aille indiquer les changelogs des versions qui sont arrivées entre-temps. Donc, voilà, comme l'a fait la personne avant moi, eh ben, il faut que je dise que j'update vers la version. Je vais mettre les changements de package SRC, donc je vais devoir indiquer que j'ai mis à jour un patch et que ensuite je fais les changements upstream. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais me faire un petit copier-coller de ça. Voilà. Ensuite, je fais mon petit CVS commit. Et hop, alors, donc, on le met à jour en version 3.21. Hop. Au niveau des changements. Donc forcément, j'ai updaté les checksum. Comment est-ce que je peux formuler ça? Updated log-rotate.conf patch following fix from the project. Et on va rajouter, hop, ici, que c'était une typo, hop. Et update checksums logique. Ensuite, les upstream changes, et ben, on va rajouter logRotate 3.18.1. Comme ça. On va faire comme ça, éventuellement. Tu as un problème avec Postfix. Oula, je suis pas forcément la meilleure personne pour ça, mais tu peux toujours demander. Si je fais ça. Alors, remarque, je fais juste un. Hop. Tac.
T'as installé PostFix. Oula! Alors j'ai déjà je ne sais pas trop comment tu l'as installé ton PostFix, El Longo de la Vegas. Hop. En vrai, tu ne sais pas à quoi ça sert. De quoi? À quoi sert PostFix? Alors déjà d'une, c'est Salut à toi, Radegund. Alors, PostFix, c'est ce qu'on appelle un MTA, un mail transfert agent. En gros, c'est un serveur de mail. C'est un serveur d'envoi de mail. Ça sert à envoyer des mails, tout simplement. Hop, ça c'était logrotate 3.18.1. Ensuite, on va passer au 3.19 et 3.20. Hop. Pourquoi tu avais installé ça? Bah, tu as installé ça sur quoi, sur quelle machine? Et surtout, tu l'as installé sur quel, enfin, sur quel type d'OS, sur quel, de quelle façon? Parce que là, mine de rien, tu nous as pas donné beaucoup de détails, en fait. Ubuntu. Ouais, mais c'est une Ubuntu serveur ou c'est une Ubuntu desktop? Tu viens de faire une mise à jour. Desktop. Alors, il est possible que des fois, PostFix soit installé en dépendance à un autre logiciel. Il se trouve que j'avais déjà eu. Tiens, d'ailleurs, on peut même vérifier. Est-ce que si je fais un rpm-q PostFix. Non, là, il n'est pas installé. Des fois, j'ai ESMTP qui s'installe aussi. Non, ça va. Oui, tout à fait, Chavenay. Il y a un set... Ah oui, c'est vrai, Ludolpif. Il y a des jours où j'y pense pas, en fait. Et tu m'as attrapé un de ces jours où j'y pense pas. Hop. C'est quand même la honte parce que je l'utilise régulièrement. Pareil, là, je pourrais virer ça sans doute d'une autre manière. Hop. Allez. Et oui, tout à fait. C'est bien souvent installé par défaut. Moi, j'ai même eu des cas de figure où, en gros, PostFix est une dépendance de certains autres logiciels. Je sais que, par exemple, quand on installe une machine et qu'on met du RAID logiciel dessus, il se trouve que bien souvent l'installation, alors je crois que c'était MDADM qui nécessitait la présence de PostFix ou en tout cas d'un MTA parce que si jamais le RAID passe en mode dégradé, il veut que tu puisses envoyer un mail pour dire hey, au fait, t'as perdu un disque. Alors après la 3.19, on a une 3.20. Hop, allons-y. Allez, on va penser à faire le 2.7 paste. Hop, mieux. C'est pareil, hein. Je pense que je dois pouvoir y aller assez rapidement pour faire les tirets et les trucs comme ça. Mais... Désolé pour le backskin. Non, il n'y a pas de souci, Ludolpif. T'as raison. En même temps, je crois que j'ai mis backseating allowed sur le stream. Donc, j'ai souvent tendance à le dire. Je suis pas seulement là pour montrer des choses. Je suis là aussi pour apprendre. Et on est tous là pour apprendre en fait. Ah, il y a eu un 3.20.1. Autant pour moi. Hop là.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que. Non, ça c'est bon. Ce qu'on va peut-être faire, c'est que. Pour éviter. Hop! Vous savez, j'ai dépassé la barre rouge nulle part. C'est bon. Parce que la barre rouge, c'est la limite des 80 caractères. Et donc là, on avait un. D'accord. Hop là. Allez, cette fois-ci, 3,21. Et 0. Du coup, pour les tirettes, tu peux en faire un à la main, passer à la ligne suivante, sortir du mode insertion, puis juste point. Oui, tiens, c'est pas con ça. Tiens, je vais essayer de le faire. J'ai vu, alors j'ai vu il n'y a pas très longtemps, tiens, puisqu'on parle de s'améliorer sous Vim, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo sur YouTube d'un gars qui montrait justement comment taper moins, avoir moins de choses à taper avec Vim. Et justement, il me parlait du point. Sauf qu'ensuite, comme je vais les rajouter, en fait. Je pense que je pourrais. Alors, ma barre rouge, non, ce n'est pas une option du terminal, Radegund. C'est justement une configuration de Vim. Je lui ai dit, tu me mets une règle à je sais plus, 79 ou 80 caractères de distance de la gauche, et tu la mets en rouge. Et en plus, dans Vim, j'ai une configuration qui dit, au fait, au-delà de 80 ou 79 caractères, tu reviens à la ligne. Alors si jamais vous voulez jeter un œil d'ailleurs à ma conf Vim, c'est très simple. J'ai quelque part le repo qui contient ça, qui s'appelle tout simplement .files. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hop là. Tac. Et en fait, j'ai. Hop. J'ai ici en gros tous mes fichiers de conf, donc mes .files, et vous pouvez jeter un œil. Hop là. Et donc vim, hop, point vimrc, et je crois que c'est bien rouleur, hein, non? 7 rouleurs, voilà. Et je sais plus s'il y a un truc à 80. Non, 79 alors. Les fa voilà, ça c'est généralement voilà, pour les git commit 79. Donc forcément il va revenir à la ligne ensuite. Le text with ici aussi 79. Peut-être des endroits où je lui ai dit au fait tu n'es pas obligé de le faire. Bon. Ah mais t'as le droit, t'as le droit. C'est ton droit le plus légitime, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas à être désolé. Donc log rotate. Oui, donc effectivement, maintenant que j'ai mon truc, là je peux faire point, 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 normalement. Hein? Ah mais oui, je le fais à la main. Voilà. Si je fais point et pas virgule, ça passe. Y en a combien, tiens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Une bonne idée, tiens, de partager ces .files. N'hésitez pas. Hein, ça pourrait être marrant. On pourrait se faire une petite session de partage de .files. Prendre les idées des uns et des autres. Alors, par contre, attention, hein, dans le partage des .files, faites gaffe à ce que vous laissez dedans. Moi, ce que j'aurais tendance à vous proposer, c'est de ne pas hésiter à profiter des features de certains softs pour comment dire de il est possible en fait certains logiciels permettent de faire de l'inclusion
Genre bah typiquement en Bash on peut sourcer un fichier. Figurez-vous que dans OpenSSH maintenant on peut faire de l'inclusion de fichiers de conf. Et j'ai remarqué aussi que Git permet aussi de faire de l'inclusion de fichiers de conf. C'est assez sympa. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre de marrant aussi? Alors j'ai pas encore trouvé pour VI, mais enfin pour Vim je veux dire. Ok donc là 3.21, paf paf paf. Package source upstream, tac tac tac. Bah écoute, on est pas mal, hein. Hop. Alors je crois qu'il y a des messages sur le chat. Je vais hop, rebouger ça ici. Tu peux refaire le point après avoir collé ton blog depuis. Ouais, alors j'ai fini par faire Y, Y et puis P, 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 P. ouais, faut nettoyer avant, effectivement, faut penser à nettoyer. Mais de fait, en fait, ce que tu peux faire, c'est te faire créer un fichier, un dépôt sur GitHub. Maintenant, on a plus le souci de limite de nombre de dépôts privés. Donc, tu peux te créer un dépôt sur GitHub qui est privé, que tu pourrais appeler par exemple .files-private, et qui serait bah, sur ton file system à côté de ton repo .files. Et tu aurais le .files qui est public, et qui, par exemple, dans ton bash rc, par exemple, tu as un. If .bashrc.local et ben source .bashrc.local par exemple. Et bien entendu le .bashrc.local serait dans ton .files-private. C'est la technique que j'ai trouvée pour pouvoir utiliser mes .files à la maison et au travail, mais ne pas avoir à comment dire à mettre des trucs du travail dans le .file public. Donc je me retrouve avec des .files private qui contiennent les fichiers supplémentaires en fait. Je pourrais même envisager de faire plutôt un point .bashrc.d par exemple. C'est une technique. Donc mon message de commit il est bon. Voilà. Vous remarquerez que je n'ai pas fait de push comme en Git. Le commit, il balance en direct, hein, puisque on est sur un gestionnaire de version qui n'est pas décentralisé. Par contre, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais revenir ici et je vais faire un CVS update d'un fichier en question qui est tout simplement le changes. Ah non, mince, il est ailleurs. Il est dans doc. Doc. CVS update. Changes, on est en 2023. Voilà, on va modifier. Hop là. Changes 2023, on a dit. Voilà. Il n'y a pas eu une mise à jour de Logrotate en. Sérieux? Ok. Grep Logrotate. Date changes 2022. On n'a pas eu non plus. Sérieux, je l'avais pas. Attends, elle date de quand la mise? Elle n'a pas été rajoutée. Oh, c'est pas bien ça. Bon. Et eh ben moi je vais le faire. Hop. Vous voyez, il y a un formalisme hein, à respecter. Hop. On va aller ici. Et donc, je pense à le mettre en 3.21. Et nous sommes le 23 avril. Donc, nous sommes en 2023. Nous sommes au mois d'avril. Et j'aurais très bien pu, en fait, plutôt que de faire ça, j'aurais pu copier la ligne précédente, en fait, et mettre sysutils logrotate. Pas de soucis, PDP Maker. Merci encore à toi d'être passé. N'hésitez pas à aller follow PDP Maker, qui, comme son nom l'indique, refait un PDP 11. À bientôt, j'espère. Donc une fois que ça s'est modifié, et ben on va pouvoir refaire un CVS, un ajout CVS. Je refais un petit CVS CI. Alors cette fois-ci, on va rajouter directement dans le. On va le faire directement, je pense, à la main. Je vais faire un CVS CI moins M. Je pourrais même écrire commit au lieu de CI, mais ça va plus vite. Et je vais mettre tout de suite le message ici qui est ben, updated logrotate. Hop, comme ça.
tout. Hop. 3.21.0. Hop. Et on va lui dire change 2023. Tac. Et voilà. Donc là, j'ai fait ma modif. Je peux aller faire un petit CVS update. Alors je le fais en update parce que en fait j'en ai profité d'ailleurs dans les modifs que j'ai faites hors stream pour préparer entre guillemets pour être plus confort sur les streams NetBSD. Hop, je me suis rajouté un petit CVSRC. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que. Hop. Voilà. Et donc en gros, lorsque je fais un update, il fait forcément moins petit d, moins grand p. Quand il fait un checkout, il fait forcément un grand P. Les diffs sont normalisés aussi, voilà. Et là, vous allez voir, vu que je refais un CVS update, donc il est vraiment en train de tout récupérer, de tout vérifier, vous allez voir, ça va être beaucoup plus rapide que les fois précédentes. Parce qu'il en est déjà au C. Ludolpif, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Visiblement, ça a l'air intéressant. L'inclusion... Dans OpenSSH, c'est nickel sous Windows pour inclure le fichier automagique de PuTTY Agent, hein, PAgent.exe. Ouais, c'est nouveau depuis PuTTY 0.77. On en est à 0. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé PuTTY, pour être honnête avec toi. Et donc, PAgent, OpenSSH config, tac, tac, tac. Et dans .ssh config, tu utilises include. Ouais, bah oui. Vous voyez, ça défile déjà plus vite qu'avant. Hein. Et l'agent génère une ligne qui change à chaque exécution de l'agent avec un chemin de socket. Ouais, je vois. Bah, en gros, là, moi, dans mon cas de figure, ça m'a permis de faire un truc assez intéressant. C'est que moi, aujourd'hui, vous vous doutez bien que je stream, je vous montre mon écran. Enfin, je vous montre... un de mes écrans. J'ai donc ici donc à ma droite j'ai mon micro et après j'ai l'écran que je vous partage sur lequel on a les lignes qui défilent et sur ma gauche j'ai l'écran avec la webcam dessus. Donc quand je vous lis en fait je suis un peu plus face à vous et quand je regarde mon écran bah, je suis légèrement de côté et il y a des choses que je vous montre et il y a des choses que je vous montre pas. Genre typiquement, mon anti-sèche que je m'étais gardé, mon aide-mémoire que je m'étais gardé pour la partie commit dans package source, je vais pas vous le montrer, c'est un fichier relativement privé, on va dire, relativement j'entends. Pour OpenSSH, la problématique est un peu la même. C'est-à-dire que mon fichier de config OpenSSH, qui est dans mon .ssh, hop, si je vous le montre, bah, potentiellement, il y a des informations privées. Il y a des machines, par exemple, des noms de machines qui sont que je veux pas que vous sachiez qu'elles existent. Enfin, où j'ai pas de raison de vous les montrer. Et j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, à me faire différents fichiers par, entre guillemets, domaine environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec l'idée, par exemple, de vous montrer, si je fais un cadre de mon point .ssh, sshconfig.d stream, je sais même pas si j'ai là, stream.conf, voilà. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est les machines, les trucs qu'on avait fait lors des les streams précédents. Je vais peut-être même faire un VI dessus, ce sera peut-être plus sympa. Hop, on va remonter. Et là, donc, j'avais fait des machines avec dans un réseau en 1042. Marvin, vous connaissez, c'est mon home lab. La machine Note 0, c'est celle sur laquelle on fait les manips du jeudi soir. Donc n'hésitez pas si vous aimez voir de l'Ansible et de voir du conteneur. Alors on ne fait pas du conteneur Docker, on fait du conteneur Podman, mais c'est compatible. Le jeudi soir de 20h à 22h, je bosse sur cette machine-là. Non, je ne bosse pas sur cette machine-là. C'est pas Note 0, c'est VPS 0 et elle doit être ailleurs. Elle est là, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, je me trompe en plus dans mes machines. Mais je sais que voilà, toutes les machines qui sont là, je peux vous montrer la conf SSH maintenant, parce que je vous montrerai rien de privé au milieu.
Et donc, bah, les trucs, voilà, les ISP1 routeur 1, les ISP1 VPS1, ça datait justement de l'époque du Homelab Ascode, que j'aimerais bien refaire un peu un de ces quatre, mais j'attends de pouvoir finir l'upgrade du Homelab. Et puis il y a ce projet NetBSD, et puis il y a le projet aussi d'Ansible en ce moment, le jeudi soir. Voili voilou. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir séparer différents fichiers de conf, comme ça je peux vous en montrer un. Et je peux le montrer sans crainte de perdre des. Enfin de divulguer des informations privées. Donc ça c'est cool. On s'est occupé de LogRotate et je suis assez content de moi sur ce sujet. Mine de rien, ça nous aura pris presque une heure et demie. Donc des fois, et encore une heure et demie sans faire beaucoup de tests. Mais malgré tout, en modifiant un petit peu mon environnement de packaging. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... De toute façon, si je reviens dans sysutils logrotate... Hop, make clean par précaution. Je suis en train de me dire que j'avais aussi un autre soft que je voulais. Est-ce que c'est dans security? Oui, c'est dans security. Globalement, je sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers packages que j'ai voulu mettre à jour, il y avait Dehydrated qui sert à faire de la mise à jour de certificats Let's Encrypt. Et ouais, il a quelques versions de retard. Hein. Et je l'avais posé sur une machine quelque part. On avait fait une mise à jour dans une version 0.7. Et on a quelques mises à jour à faire. Hop. Et globalement, il fonctionne bien. Hop. Donc déjà la première chose, on est en version 0.7.1, il n'a toujours pas bougé, donc ça c'est cool. Hop. Le master site GitHub, on va pouvoir le changer aussi, puisque le gars a créé un repo qui s'appelle dehydrated-io. Dehydrated-io. Voilà. La homepage, bon, on va la changer aussi. Qui de fait maintenant est dehydrated.io en fait. Voilà. On va pouvoir. Hop. Est-ce que le logiciel est toujours sous licence MIT? License MIT. Ça, c'est bon. Paf, paf, paf. Normalement, ça n'a pas changé. On n'avait pas eu de soucis. On n'avait pas eu de soucis globalement de mémoire. Donc, c'est reparti. Mais alors, par précaution, make clean. Make distinfo. Voilà. Make package, je pense. On va pas trop avoir de soucis normalement. Ah si, on a des soucis. Il y a des fichiers qui sont dans le playlist, mais pas dans le. Ah, il a dégagé les trucs. Qu'est-ce qu'il a dégagé? Il a dégagé le import from official client.md dans la doc. D'ailleurs, il y a des chances qu'il y ait des fichiers qui ne soient pas. Parce que dans les user share doc, il y a peut-être des mises à jour. Alors, changelog license. Bon, les changelog license readme, ça c'est un classique. Acme V1. Ah, examples. Il faudra qu'on regarde aussi. Acme V1, DNS vérification, domain TXT, ECC, hook. Chain, ça c'est bon. Import from official client. Donc celui-là on ne l'a plus. Hookchain per certificate config. Hookchain, il y a un logo.png, tiens. Per certificate config, staging. Certificate config, staging. TLSALPN, on l'a. Troubleshooting et well known. Troubleshooting, well known. Le logo, à la limite, on s'en moque un peu. Hop. Donc. Mais non. Hop là. Package.
Ok, il a réussi. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal. C'est même plutôt bien. Bah écoutez, je vais le commiter tout de suite, comme ça ce sera bouclé. On va pouvoir. Est-ce que je préfère un doigt gros ou un négro? Oh punaise! Oh punaise! Celle-ci, elle est franchement nulle. Elle est franchement nulle. Et voilà. Ah bah c'est fait. C'est fait. Tiens, je serais même tenté de le report. Allez hop, je vais le report pour racisme. Violent bullying, hateful conduct? Self-harm, nudity, gna 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 gna. Search. Allez, hateful. Oh non. Il y a moyen de faire racisme? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas racisme dans le dans les trucs de report de. C'est nul ça! Bon. Allez, j'ai pas envie de perdre du temps à chercher comment le report, mais si quelqu'un a envie de le report, allez-y, hein. Donc, où en étais-je? Moi, je voulais commit mon petit package. Donc, on va refaire la même. On a un petit CVS diff pipeless. Donc, dans les trucs qu'on met à jour, on met à jour dehydrated, on met à jour la page, enfin l'endroit où on récupère le projet et où on le et la home page, et on met à jour la playlist. Donc, CVS add, on a le makefile, on a le distinfo, on a le playlist. Et ça devrait suffire. CVS commit. Alors j'ai oublié un truc. Donc normalement, on va faire abort. Voilà. Je vais faire un CVS log makefile. Juste pour revoir comment on avait fait les précédents commits. Hop, parfait. Et ben on va pouvoir. Ah oui, je vous mettais directement le. Ouais, on va refaire comme. On va les faire plutôt comme les commits de LogRotate. On va les retrouver le. Comment ça, permission denied, public key? Comment ça? Ok, le truc passe pas d'une fenêtre de terminal à l'autre. Enfin, d'une fenêtre de. Hop, on va faire comme ça. Alors, c'est parti. Oula. Et on dit qu'on allait dans Security Dehydrated. Hop. Donc, CVS commit. Voilà. Donc, update dehydrated
Updated to version et on a les 0.7.1. Donc, on a updated this file URL. Alors, project as a new home updated this file URL and home page tac removed playlist updated playlist following the follow file hop et forcément updated checksum. Alors ah oui salut silence des agneaux, pardon, je t'ai pas vu arriver. Quel est le projet? Alors, en gros, alors non, Little Pif, ce ne sont pas des packages OpenBSD, ce sont des packages NetBSD. Mais en gros, l'idée, c'est que je fais des mises à jour de packages pour principalement NetBSD. Et donc, je suis en train de justement committer les mises à jour. Il n'y a pas de souci, Little Pif, c'est pas grave. Donc, ensuite, upstream changes. Hop. Alors, on va revenir ici, on va aller chercher dans Dehydrated les releases. On était en 0.6.5, donc j'espère qu'il a... Oh punaise. Alors, 0.6.5, bon. Oh punaise. Ah bah on va se farcir tout ça, hein. Allons-y, hein. 0.7.0. Ah, merci Xavier, merci beaucoup. Et on a la 0.7.1, donc on va pouvoir faire. Hop. Hop. Ici, et on va lui rajouter. Alors je vais pas faire les added fixes changed, hein. On va pas s'embêter la vie, on va faire. Ça mérite presque un script markdown to ASCII. Oui, 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 effectivement. C'est pas bête. C'est pas bête. Oup là. Ah, c'est à cause du tab, en fait. Le tab, il me le catch, en fait. Hop. Spécial support for 0S. Hop. Remarque que si je fais ça, maintenant, je dois pouvoir faire... Ouais. Ah. Voilà. Tu peux faire les tirer après le paste avec le point car ça va pousser le reste de la ligne. Ah bon à savoir ça. Tiens, on va tester après. Je vais déjà te finir. Où est-ce que j'en étais moi? Allo, setting pass et new click on. Donc en fait, il y avait ça. Alors, supposons que je reviens comme ça. Hop. L'idée, c'est de paste le bloc entier, du coup, avant de faire un tiret, puis plusieurs fois. Alors. Tu peux faire le tiret après le... Alors, on va faire un point à set paste, déjà.
Hop. Hop. Je... Oula, non. Je vais juste copier ça. On revient ici. Je paste tout ça. Ah zut, il me fait une... Ah oui, alors. En gros, je fais ça. Je suis là. Ce que je peux faire, c'est faire i et je fais ça. Ensuite, je reviens ici, je fais point. Et ça passe. Oh, nickel! C'est géant, ça! Il y a juste un espace de trop. Hop! Mais ça peut s'arranger. Hop! Et ensuite, dans les changements... On revient ici. Paste. Hop. On remonte. Et donc... Pratique. Eh, merci, Ludolpif. Merci beaucoup. Bon, après, il va falloir que je m'en rappelle et que je l'utilise. C'est pas gagné, mais... Donc ça, c'était la 070. Ça, c'est cool. Et maintenant, on a la 071. Hop. Copier. Voilà. Hop. On va venir ici. Bah non, pas point. Tiens. Hop. Alors, la version 3ème Dan, c'est d'enregistrer une macro. par contre, il va falloir que j'aille faire un petit peu de... Hop. Tu reviens là. Toi, c'est bon. Hop. Toi, tu reviens là. Toi, tu reviens là. Toi... Oups là. Non, il va falloir que tu fasses une ligne de plus. Voilà. Toc. Tac. Et lui, il écrit un roman. Ah oui, il écrit vraiment un roman. Hop. Hop là. Pour le rewrap. Ah oui, une sélection avec V. GQ devrait autowrap tout ce qu'il faut. Ok. Bon, alors là, c'est un peu fini. Je lis un peu tard, mais on va s'en sortir. Donc, lui, il est bon. Ici. Voilà. Normalement, on a juste 070 et 071. Donc, on est bon. On est bon. Donc, on peut faire... Hop. Donc, ça, c'est comité. Juste par précaution. On est bon. On retourne dans doc. Changes 2023. Des fois qu'il y a quelqu'un qui entre-temps ait poussé des trucs. Voilà. 2023 et donc on était dans security. On a modifié dehydrated et on a mis à jour en 0
0.7.1. CI-M. Non, je ne l'ai pas. Ah oui. CVS, CI. Voilà. Et on a dit updated security slash dehydrated. Et on a dit qu'on était en version 0.7. Paf. Nickel. Et par précaution, je vais quand même faire un petit CVS update de tout le lot. Même si là, globalement, on est plutôt pas mal. Ok. Pendant ce temps, moi, je vais revenir ici. Et ce que je voudrais faire, c'est aller faire un find.typef-name makefile. Et ce que je veux, c'est faire un petit truc comme ça. Et en fait, ce que je veux, c'est que pour tous les fichiers qu'il va me trouver, qu'il aille me faire un grep moins qu'il aille me faire un grep de Nils. Enfin, faire un grep moins i par précaution. Nils at netbsd.org. Hop. Histoire de voir tous les packages dont je suis encore listé comme le mainteneur. Ah oui, il faudra peut-être faire le ménage. Il faudra peut-être faire le ménage dans les fichiers. Alors. Donc déjà, ce fichier-là, il va sauter. Alors, cd project, on a dit netbsd, package source, rm. Donc ça, c'est un fichier de ça. Ah, CVS, oups. CVS, hop, netbsd, package source. Donc, voilà, ça dégage. Et on va faire sauter le work de Nginx. rm-rf, 3w, Nginx, slash work, paf. Et le, ah tiens, on avait... Ça, je pense que c'est quand j'ai éteint une machine de façon en mode « Oups, j'ai oublié de quitter Vim ». Voilà. Et le graphics Jasper patches. Géographie libmaxmindb, ça c'est pareil. Du bois les anciens fichiers de travail devil scm cvs message, bon, on va le faire sauter, hein. Hop, alors je pense que par précaution je vais faire sauter juste les fichiers comme ça un à un. Remarque, je me fais un m-vf, pof. Remarque, je peux les lister les uns à la suite des autres. Je pourrais faire un patch-étoile, mais j'ai peur de faire sauter des fichiers qui sont... Hop. Il m'embête un peu, l'idiot de tout à l'heure, parce qu'il m'a fait dire une insanité. J'ai pas été très malin. Et de fait, je crains un peu pour le replay de la vidéo. Hop, voilà, ça a sauté. Ah tiens, le Nginx playlist, on l'avait fait sauter. Bon. Bon, et bah globalement, on s'en sort pas trop mal, hein. Deux packages. Et pendant ce temps, grep argument list long. Ah, oups. Il m'a piégé. Ah oui, complètement. Complètement. Mais tu sais, les trucs automatiques qui vont aller chercher des mots. Je sais pas. Honnêtement, avec des entreprises comme Twitch ou YouTube,
Je sais pas à quoi m'attendre. Donc, quand on voit qu'il y a y a des gens qui se sont fait avoir, genre il y a des musiques qui étaient sous licence Creative Commons, les droits sont rachetés par des entreprises qui décident de licencier sous une autre licence la musique. Sauf que la musique ayant déjà été licenciée en Creative Commons, tu peux pas juste du jour au lendemain comme ça de le faire en fait. La licence Creative Commons, c'est pas vraiment révocable en fait. Ou en tout cas pas pour les droits existants. Et y a des gens qui se font strike sur des musiques qui avant étaient sous licence Creative Commons, qui permettaient la réutilisation. Et j'ai vu passer comme ça dans mes réseaux sociaux des... On va faire Nils dans étoile slash makefile. Et je crois que je vais rajouter H parce que ça va me permettre de... Ah oui, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. Étoile... Ah oui, security. Donc étoile slash... Voilà, là, ça va être bon. Ah oui, encore. Bon. Oui, mais attends, j'ai pas besoin de faire un hier. Hop. Sérieux, toujours trop long. Alors, une streameuse à faire majeure qui s'est fait strike plusieurs fois des vidéos sur sa chaîne car elle avait inclus un titre musical dont la chanteuse et dont les droits sont commerciaux mais clairs. Ah, punaise. Tiens, comment je faisais avant? Ok, ça c'est bon. On a refait notre CVS update. Bon, il va mettre un petit moment. Je vais peut-être le faire ailleurs dans ce cas-là. Hop. Ah oui, Ah, dont elle est la chanteuse. Ah, punaise, en plus. Dont elle est la chanteuse. Ah ouais, sympa. Tu fais ta propre musique et derrière, tu te fais strike. Quand même. Ah, c'est moche. Ah, ça donne pas envie de... C'est fou, ça, quand même. Ah, c'est vraiment moche. Alors là, en l'occurrence, oui... J'ai. Alors, de mon côté, c'est vrai que les canaux. La piste musicale, je l'ai pas mise. Je l'ai pas mise en fameuse piste. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est piste 6 ou un truc comme ça. Qu'on peut. Qui est sur Twitch. Et qui. Ah, fichtre, 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 fichtre. Oui, voilà, la fameuse piste 6. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à à mettre la musique en piste 6. C'est sur une piste séparée, normalement. En fait, j'ai plusieurs pistes. J'ai une piste avec tout ensemble. Et normalement, les pistes avec les trucs séparés. Mais j'ai pas forcément mis la musique en piste 6. Alors, Peertube permet de faire du stream, hein. Peertube le permet. Il y a des gens qui avaient fait des essais, notamment. Mais après, elle appelle le producteur pour qu'il fasse un strike. Ça, puis c'est ok, mais bon, la tristesse. Ouais, enfin, faut quand même. Enfin, après, c'est pas dit que le producteur soit. Enfin, derrière, peut-être le producteur, il s'en tape et que. Voilà. Mais toujours est-il que. Moi, normalement, j'avais eu des blagues, je crois. En utilisant des musiques sous licence Creative Commons dans la bibliothèque YouTube. Je me suis fait. Je me suis fait, en fait, au replay sur Twitch. Au replay sur Twitch, et je sais pas si sur YouTube je m'étais fait silence des trucs. Non, juste sur Twitch, où je m'étais fait silence des moments. Alors que pourtant c'est de la musique Creative Commons, mais ça venait de la bibliothèque YouTube. Donc si ça se trouve, il y a eu quand même des strikes à ce niveau-là. Et là maintenant j'utilise la playlist Royalty Free de chez Owned. Donc j'ose espérer que ça posera pas de soucis. Hop. Dans la situation là, c'est deux amis. Bon bah ça va alors. Ça va si c'est deux amis. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais vous proposer en...
J'aurais dû faire un pipeless, ça va assez vite, on va peut-être le refaire. On va peut-être enlever whip aussi, parce que je m'en fiche un peu ce qu'il y a dans whip. Moins v whip. Pipeless. Allez. Hop. Bon, globalement, de toute façon, hein, il est presque 20h, donc globalement, pour ce soir, je pense qu'on va en rester là. Je vais pas refaire de trucs en plus, mais globalement, je suis content. Je commence à me remettre dans le bain de la mise à jour de package. Et ça, c'est cool. Et comme c'est des packages que je connais, bon, globalement, en termes de testing, ça va aller assez vite, tranquillou pendant la semaine. De toute façon, le dehydrated, je l'avais déjà testé sur une autre machine. Hop, voilà. P5 carb, je m'en sers même plus. PIAPF, je crois pas que je m'en serve à nouveau. Alors, Ron, c'est un outil qui permet de générer de la man page, en gros. Vous écrivez votre man page au format Markdown, et derrière, Ron vous fait le format historique de la man page, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, Mustache est une dépendance. Il faudra peut-être que je teste, que je... Pourquoi pas qu'on fasse ça lors d'une prochaine session. PySix, je me demande si c'est pas une dépendance pour un truc que bah, pour Pelican, je crois. Tout ce qui est Python là, non, tout ce qui est Python et dont je suis mainteneur, normalement c'est des dépendances pour Pelican. D'ailleurs, tiens, ça pourrait être une idée ça la semaine prochaine. Mettre à jour Pelican. En plus, on pourra tester avec mon blog puisque mon blog tourne sous Pelican. Je voulais mettre à jour Siège aussi. On fera peut-être ça. On fera peut-être Siège et Pelican. Alors, je sais que Siège, j'avais déjà montré, mais... Ah bah voilà, Ron, pour faire tes commit messages avec les gros changelog markdown. Little Black, qu'est-ce que c'est que Pélican? Eh bah, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça, et puis après, on s'arrêtera là. Alors, Pélican, getPélican. Je crois que c'est getPélican.com. Hein. Hop, voilà. Donc, eh bah, comme son nom l'indique, c'est un générateur de sites statiques. Mais qui est plutôt en Python. Tu as peut-être entendu parler, par exemple, de Hugo. Alors, si je tape Go Hugo, ce sera mieux. Go Hugo. Voilà. Hop. Qui fait pareil, mais qui est fait en Go. Et qui est là pour, en fait, te générer un site web statique à partir d'un certain nombre de fichiers, généralement écrits en Markdown ou en REST. Et tu as aussi un autre qui a pas mal de succès aussi, qui s'appelle Jekyll. Jekyll Static Site Generator. Et en fait, tu as pas mal de logiciels comme ça ces derniers temps. Je montre, il y a pas mal même un site qui les compare. Ou pareil, tu transformes ton texte brut, ton Markdown, en site web et blog. Et alors, ce qui est assez sympa avec Jekyll, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a pas mal de succès, c'est qu'en gros, il est pas mal intégré avec GitHub, parce que grosso modo, voilà, tu as GitHub Pages qui en gros fonctionne avec du Jekyll derrière. Donc en gros, ce que tu peux, c'est que si un jour tu as envie, tu peux te créer, au lieu de t'installer un WordPress ou un autre générateur, enfin ou un autre CMS en PHP, tu peux comme ça, tu crées ton repo sur GitHub, tu fais une GitHub Pages et paf, c'est dessus. Et tu peux même, je crois, utiliser un nom de domaine custom. Donc, tu vas chez n'importe quel registrar, tu prends ton nom de domaine, tu balances chez GitHub et tu fais ton blog comme ça à grands coups de git commit. Jamstack. Ça me dit rien du tout. Tiens, je connais pas du tout Jamstack. Alors, dans le cas de Pélican, tu as un outil de migration depuis WordPress.
Moi, je sais qu'avant, je tournais sous d'autres clients. Il y avait un outil de migration depuis d'autres clients. Il a quand même fallu que je fasse pas mal de modifs derrière, parce que j'avais des années de d'autres clients de façon pas toujours très propre. Donc il a fallu que je fasse pas mal de trucs. À noter d'ailleurs, je sais pas pour WordPress, mais dans le cadre d'autres clients, Pélican me récupérait pas les commentaires. Donc je me suis farci à la main tous les commentaires rajoutés dans les posts de blog parce que je trouvais intéressant de garder les commentaires. Ah oui, d'accord. Liste de sites, d'accord. Mais voilà, effectivement, t'as pas mal de. T'as plein de trucs. Ouais. Alors, c'est marrant parce que Sphinx, à la base, c'est pas fait pour du site web. Enfin, c'est pas fait pour du site web. En fait, c'est fait pour de la documentation. C'est pas fait pour du blogging. Sphinx, c'est super chouette. Donc, bah tiens, je vais vous paste les noms des trucs. Hop. Pélican. GoYougo. Hop. Et Jekyll. Voilà. Et alors, ça va de ton côté, c'est plus cette mémoire, souvent, ta mémoire oublie de penser à mettre à jour. Alors, normalement, WordPress, maintenant, les versions mineures, c'est automatique. Il va te dire, hey, au fait, je me suis mis à jour en version 0.1, 0.2, 0.3. Il n'y a que les majeurs qui ne le font pas automatiquement. Bien, 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 bien. Et ben, on va pouvoir en rester là. Mais ouais, donc du coup, je pourrais tester en direct, par exemple, que la mise à jour de Pélican que je ferai sera. Ah, tu parlais plus des articles à écrire. Ah, ok, pardon, pardon, Little Black. Mais de fait, c'est aussi intéressant parce que comme ça, quand tu fais. Quand tu le fais via du dépôt Git, moi je trouve ça mieux. Ça m'aide. Tiens, il faudra peut-être que j'arrête d'être mainteneur sur certains trucs. Je pense à DAC, pulled pork. Ça, c'est les trucs ça, c'est les trucs qui vont avec Snort, le détecteur d'intrusion. Tu affines pour les mémoires. Voili-voilou. Bon, et eh ben de fait, on va pouvoir en rester là. Et on a encore pas mal de choses à faire pour les prochaines fois. Ah oui, fail to ban, merde. Parce qu'en fait, on me le réclame, fail to ban. La version de fail to ban, elle est vraiment ancienne. Ça vous dit la semaine prochaine, on fait fail to ban? Ça va être une semaine Python, je sens, dimanche prochain. Ça peut être marrant, tiens, ça, fail to ban. En plus, je pourrais installer fail to ban sur les deux autres machines et je pourrais faire des tests de ban. Allez, on fait ça. Vous me le rappellerez quand je débarquerai en stream. Vous me direz, hey, Nils, t'as promis, on fait fail to ban. To everything. C'est quoi ce truc? Il y a mieux que Notion. Alors déjà, Miro, je connais pas. Notion, oui, je connais. Next gen knowledge base that brings planning, sorting and creating all together. Privacy. Ah. Download app, try demo online. Tu le mets en aide-mémoire sur ton blog pour me le rappeler. Ah, c'est gentil, Little Black, merci. Je vais peut-être me faire moi aussi un rappel sur mon téléphone. Bon, et bah allez. Vous connaissez la suite. La suite, c'est très simple, hein. Hop, si jamais. Hop. Bah, je t'en prie, Ludolpif, et merci à toi pour les petits coups de main avec Vim. Donc, on va passer hop, sur cette chose-là. Donc, si jamais ça vous a plu, eh ben, on peut continuer. On va continuer. Moi, j'ai envie de continuer. A priori, on continue avec Fail to Ban. Et ce sera dimanche prochain à 18h. Comme toutes les semaines. Le projet en ce moment du dimanche, c'est je contribue à NetBSD et à Paquet de Chance. Si jamais vous avez envie d'en voir plus, je stream aussi les jeudis, figurez-vous. Je stream par contre le jeudi de 20h à 22h. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le jeudi, je fais plutôt de l'Ansible et du Podman, compatible Docker, donc du conteneur.
en automatisé, donc grâce à Ansible. Et on fait ça tranquillou. Le code est bien entendu dispo sur GitHub aussi. Et on s'amuse pas mal. On arrive à faire des trucs sympas. On a fait du conteneur. Mince. On a fait du conteneur. Oh, j'ai mangé le nom. Payol, les deux dernières semaines. On a eu des petits soucis d'ailleurs. On a eu une blague là avec, avec les répertoires, des répertoires en récursif à créer. Donc, si jamais vous avez envie de voir du debug qui risque d'être, je l'espère, instructif, on va peut-être apprendre des choses jeudi prochain, n'hésitez pas à passer me voir. Entre les streams, on peut discuter, il n'y a pas de souci. C'est très simple. J'ai pas cherché Little Black. J'ai pas cherché. Je laisse le truc mariner pour l'instant. Je pense que si j'arrive en début de stream et que je dis hey, au fait j'ai cherché hier soir et j'ai trouvé, ça risque d'être un peu dommage. Ouais, suspense, exactement. Je laisse le suspense jusqu'à jeudi. Entre les streams, je peux être joignable, je peux être apprécié, enfin je peux être contacté plutôt. Et pour ça c'est très simple. Je vous le montrais sur cette petite page là. Et ben il vous suffit de faire point d'exclamation socials et vous allez tomber sur cette page. Vous allez tomber sur anotherhomepage.org, ma page perso, et cette page-là, eh ben, elle va contenir, grosso modo, toute ma présence sur les réseaux sociaux. Donc vous allez trouver Twitter, vous allez trouver Mastodon, vous allez trouver ma chaîne YouTube avec des très vieux live. Vous allez trouver mon profil GitHub. Donc vous pouvez aller jeter un œil, vous pouvez aussi me rejoindre sur le Discord de la chaîne, comme l'ont fait déjà pas mal d'entre vous. Et sinon, bah, vous pouvez aussi follow la chaîne Twitch. Vous êtes déjà 985 followers, c'est assez chouette. Et j'espère qu'on atteindra la barre des 1000 assez rapidement. Voili, voilou. Vous connaissez maintenant, entre guillemets, la musique. Et en parlant de musique, c'est plutôt pas mal comme transition, puisqu'on va aller se faire un raid, et le dimanche soir, on a tendance à aller raider Adrien de LinuxTrix. Adrien de LinuxTrix, donc la chaîne YouTube LinuxTrix, que je vous recommande, lui, quand il est sur Twitch, il ne stream pas de l'informatique, il stream de la musique, il fait le DJ. Et ce que je vous propose, c'est que pour finir le week-end en beauté, eh ben, on aille faire un petit raid à Adrien. Donc restez dans le coin, je vais mettre la page de fin de live, mais restez dans le coin pour aller raider Adrien. Ça, non seulement ça me soutient moi, mais ça me soutient lui aussi. Voili voilou, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain, et d'ici là, amusez-vous bien, ciao ciao !